crois qu'il manque là. René, il a combien là? Hop. Ah, il manque un mètre, ouais, il manque un mètre là. Ouais. Ah, il est trop court. Il est trop court. Il a fait exactement ça. Celle-ci, les points noirs. Voilà, il a fait cette courbe. Et il se trouve qu'il a été flashé à 47. Donc on n'est pas loin. Nous, les calculs, ils sont bons. Donc, c'est un tag de se démerder pour faire exactement comme on a calculé. Parce que sinon... Non, ça, ouais, ça fait une semaine qu'il est dans cette Algeco. Ça fait une semaine qu'il est enfermé là. De toute façon, regarde tout ce qu'il a fait. Il ne sort pas tant que Teddy ne s'est pas adapté. Je pense que pour son confort à lui, il va devoir partir à 3 mètres. Ouais, ouais. La courbe parfaite, c'est celle-ci. La rouge ? Voilà. La rouge. J'ai rouge. Et la courbe parfaite, il a un décollage à 51 km/h. Il faut qu'il parte de 3 mètres. Il faut qu'il parte de 3 mètres, qu'il gère sa vitesse sur la rampe, qu'il gère son impulsion. Et ensuite, on s'attaquera au problème de la réception. C'est que la trajectoire, elle est plutôt pas mal. Les vitesses, elles sont assez bonnes. Donc, toute la première phase de calcul, elle est bonne. Maintenant, se pose quand même la question de réussir à plaquer sur l'airbag sans rebondir, sans chuter. À la vidéo, j'ai eu cette impression qu'il était un peu vrillé, son corps était vrillé, et qu'à la réception, il est parti à droite du fait justement de cette position un peu dissymétrique. Donc s'il repousse sur les patins, ça devrait aller mieux. Normalement, il devrait faire comme les calculs le disent. Mais c'est René, en fait, on lui a pas indiqué qu'il se tordait d'un côté.